La journée internationale des droits des femmes est anti-biblique. La journée internationale des droits des femmes est anti-biblique. Donc, journée internationale, mesdames, yo, pour yo revendiquer droit, yo, pour yo faire tête yo égale à garçon, il pas biblique, il en contradiction avec la Bible. Et date ça, mesdames, yo choisi dans le monde pour yo fête ça, c'est 8 mars. 8 mars. Bonjour, bonsoir, salut, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dis à la, Saint-Esprit, pral enseignez-nous et prêchez-nous sur la Journée internationale des droits des femmes qui est anti-biblique. Donc, c'est ça, très, très important. Nous allons voir ensemble, à travers moi-même, Saint-Esprit. Enseignez-nous sur la Journée internationale des droits des femmes. Donc, et mes amis, faites ça, faites mesdames ça. Faites mesdames ça, sont faites qui va un problème. Et faites ça, c'est lui-même, c'est Andal, sans d'en faire ça même. Ou joignez qu'on y a là, oui, d'accord, fille qu'a ingénieur, fille qu'a médecin, fille qu'a agronome, fille qu'a professeur. Oui, pas de problème, mais on l'autre bagaille. Fika présidente, oui, pas de problème, ça. Mais, gros problème. Ça veut dire, non seulement gros problème dans ça, parce que nous connaissons depuis ces bagailles mondes là, il y a une exagération quand même, pas vrai? Depuis ces bagailles mondes là, il y a une exagération qui est exagération qui est la donne. Ça veut dire, non seulement il y a une exagération la donne, et puis il y a une hypocrisie la donne tout. Qui hypocrisie qui est la donne? C'est parce que pourquoi j'entendais une fille éboueur. Ça pas existé. D'ailleurs, le féminin d'éboueur n'existe pas en français. OK? Donc éboueur là pour monde qui pas trop et comprendre sens éboueur là c'est lui-même en Haïti nous connons ouais et c'est monde ça nous connons ouais cap descendre dans trou rego cap débourrer cap débloquer trou rego ramasser la boue etc. Débloquer tout rebou, c'est eux-mêmes. Pourquoi ouais, fille a fait travailler ça? Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Et selon 1 Corinthiens 11, verset 16. Donc, c'est la nature qui nous enseigne ces choses-là. Ok, ça m'a dit. Donc, nous, beaucoup ouais, fille et boueur. Et au Canada, il y a les synonymes vidangeurs. Il y aurait les gens qui sont vidangeurs. Et plus, et Canada a utilisé le terme vidangeur là de préférence. Eh bien, vidangeur là, c'est lui-même qu'on a nous-mêmes en Haïti qui utilisent, ou bien dans notre pays, tant qu'à Paris, qui utilisent éboueur là. Eh bien, par exemple, en Haïti, et vidangeur là, c'est lui-même exactement, beaucoup de filles, tout vidangeur. Et pour les gens qui n'ont pas trop habitué à thème vidangeur là, c'est lui-même créole, il dit bayakoua. Donc, beaucoup de filles, bayakou, beaucoup de ça. Beaucoup de filles, bayakou. Donc, ça veut dire là, c'est parti hypocrisie. Donc, ça veut dire. Et égalité garçon à fille au niveau des tâches, travail, profession, etc., métier, c'est seulement dans le bagage luxueux, bien entendu. Donc c'est là l'hypocrisie. Maintenant, nous allons aller dans l'exagération. Dans l'exagération qu'on a, et c'est dans garçon égal à fille ça qui fait, ils ont quitté aller au-delà. Donc qu'on a là, garçon et fille a changé sexe, hein, fille a changé sexe, et fille a fait genre là, fait tout ça qui dépend de vous. Bab pousser dans la figure, moustache pas foutre pousser dans le visage, etc. Et puis, font gens là pour retirer sein ou tout couper sein ou, et puis pour venir tourner garçon, parce qu'ils ont besoin de faire égal à garçon, parce que pas de précision là-dedans, c'est juste égalité d'homme, c'est égalité d'homme et de la femme, c'est ça, c'est tout simplement ça, c'est fille égale à garçon, garçon égale à fille, donc pour pas gagner aucune différence. Donc maintenant, li anti-biblique. Anti-biblique veut dire li en contradiction avec la Bible. Ça veut dire ça pas biblique. C'est j'aime ça dire nous, on fait qu'à docteur, on fait qu'à professeur, on fait qu'à ingénieur, on fait qu'à agronome, on fait qu'à président, pas de problème. Mais dans la Bible, c'est différent. Mais problème qui vient qu'on y a pour qui ça, Saint-Esprit a enseigné nous, a prêché nous à sur ça, c'est parce que dans pile monde qui prend et fait femme ça, faites droit à femme ça, revendication de droit à femme ça, yo entrer au cognac dans l'église. Mais bien entendu,
c'est dans l'église protestante qu'ils sont entrés. Oui, c'est dans l'église protestante qu'ils sont entrés, bien entendu. Ouais. Parce que, et qui ça fait me dire c'est dans l'église protestante? C'est dans l'église protestante où je viens toutes des autres. C'est dans l'église protestante où je viens fille à faire sa garçon à faire. C'est là qu'on y a là, dans l'exagéré. Au niveau spirituel, nous exagérons. Parce que, et je ne sais dis là, un garçon, on fait capable, ingénieur, agronome, etc., professeur, tout, mais, je me dis professeur, ça veut dire à tous les niveaux. Commencer dans le niveau jardin d'enfants, il est capable jardinier d'enfants, il est capable enseignant au niveau primaire, secondaire, il est capable professeur, tout, au niveau universitaire, il n'y a aucun problème. Mais, pour la Bible, c'est différent. On fait, pour la Bible, et il n'y a pas dit professeur, il dit docteur. Donc, il n'y a pas qu'à docteur de la parole, pas qu'à enseigner la parole. Non, non, non. Selon Éphésiens 4, verset 11. Donc, Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant, le seul vrai Dieu vivant, a fait des dons aux hommes, a fait ces dons-là aux hommes. Donc, il y a cinq dons ministériels, les cinq dons de direction qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je reprends. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Cinq dons ça yo seulement là Jésus t'est fait aux hommes, à des hommes, n'est pas fait yo à femmes. Ça veut dire on fit pas qu'à apôtre, on fit pas qu'à prophète, on fit pas qu'à évangéliste, on fit pas qu'à pasteur, on fit pas qu'à docteur. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire puis gars nous prend fait ça pour entrer dans l'église. Non 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 non, c'est malédiction pour un fille camper dans l'église pour la prendre tête pas pour appeler le pasteur. Pour la diriger l'église. Non, 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 non. Ça n'a pas entré dans l'église. Non, ça n'a pas entré dans l'église. Ça, c'est purement à faire péristyle qu'a prédit. Fille pas qu'a pasteur. Et je vais vous verset qui dit fille pas qu'a pasteur. Selon 1 Timothée 2, verset 11 à 13, fille pas qu'a pasteur. 1 Timothée 2, verset 11 à 13, fille pas qu'a pasteur. Fille pas gain droit enseigner la parole. Saint-Esprit bon Dieu dit fille pas gain droit enseigner la parole. Fille pas gain droit prendre autorité sous garçon. Fille pas gain droit prendre autorité sous garçon, qui raison que fait ça? Parce que fille c'est fille sorti dans garçon son code garçon qui fait fille selon Genèse 2 verset 22. Donc gain monde malheureusement qui mal très mal interprété verset ça les défendre des autres. Fille pasteur, malheureusement, il a toujours dit comme ça, oh là, et là, c'est apôtre Paul qui t'a parlé, et personnellement, apôtre Paul t'a parlé de couple marié. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout. Il a mal l'anniversaire, ce n'est pas vrai. Parce que il tout bon contexte, il tout bon précision. Ok? Saint-Esprit, à travers bouche apôtre Paul, dit, il n'y a pas bail fille de wal, pas permettre fille pour camper. Pour autorité sur garçon pour enseigner, pour chez garçon chita devant pour venir enseigner la parole, pour enseigner la Bible. Bon Dieu, papa, il doit ça. Il papa, il doit ça. Il a raison en plus bas. Il dit parce que Ève, et peut-être il y aura dans Ève là qui fait au dos comme ça, et c'est deux couples mariés. Et bon Dieu, t'as parlé là, c'est pas vrai. C'est pas deux couples mariés parce qu'ils n'ont pas fini. Il dit parce que Ève, garçon, ok, formé avant fille. Adam t'es formé avant Ève. Son exemple, il prend. Adam formé avant Ève, dans le sens de garçon formé avant fille. Fille sorti d'un garçon. Ça veut dire là. Ça veut dire l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire garçon, hein, c'est lui-même qui peut gagner autorité pour prendre autorité sur fille. C'est ça que fait Jésus dit ça. Ok, dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, il dit clair. Il dit qui ça? Il dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 5. Il dit. Et puis il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il m'a dit, filles, pour soumettre. Maintenant, des garçons pour aimer madame. Alors, ça, c'est l'autre sujet encore. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans, ça, c'est l'autre enseignement. Mais, là, on fait nous connaître, garçon, hein, c'est lui-même qui chef, fille, l'homme est le chef de la femme. Et il a raison, hein, oui, qui fait mon yo, fait mes yeux sur raison. Hein. Ce n'est pas des coupes, Marie, t'a parlé, parce que lui, comme ça, ça fait, fille, pas qu'à pasteur. Fille pas qu'à enseigner, fille pas qu'à prendre autorité sous garçon, c'est parce que tête fille a faible, il aime séduire, il séduit facilement. Il séduit facilement. Tête fille faible. Parce que lui, comme ça, c'est pas Adam qui t'est séduit,
C'était Ève qui était séduite là, qui fait péché, vient entrer dans le monde là. Voilà. C'est pas Adam qui fait péché entrer dans le monde là. C'est Ève qui fait péché entrer dans le monde là. Raison. Parce que Ève, t'es une folie pasteur. Ève, t'es une folie prêcher. L'aldé prêcher Satan, le diable, l'aldé prêcher. L'aldé prêcher serpent. Et puis il tombait parce que bon Dieu pas né pour ça. Bon Dieu pas né pour ça. C'est pas que bon Dieu pas aimé. Bon Dieu aimé toute petite, nous toutes faites à l'image de lui-même. Il met toute petite, il met garçon, il met fille. Mais c'est lui qui fait nous, il connaît fille en faible, il connaît son être faible. Il pas voué fille pour pasteur, pas voué fille pour venir prêcher, pour venir enseigner. C'est ça qui fait première fois, on fait aller prêcher, selon Genèse 3, verset 3. Et puis, il est tombé dans la prédication, il séduit, Satan séduit. Et c'est dans la séduction ça, qui fait qu'on y a là, Satan vient mettre ce masque dans qui c'est Caïn. Selon Genèse 3, verset 3. C'est premier côté fille prêcher. Premier côté, fit tenter, prêcher, au Dieu a dit, et puis pendant la prêche, elle tout fait mentir. Qui ment-il tout fait? Les Satan dans Genèse 3, verset 1. Alors, c'est Genèse 3, verset 1 à 3 passages. Donc, dans Genèse 1, les Satan pas de côté. Et puis, il dit comme ça. Et il dit, la Bible précise, c'était bête qui était puis rusé dans toute bête, bon Dieu t'a créé. Et puis, quand il y a là, il était forme ça, il te prend. Et ça fait le serpent ancien. Là, dit le serpent ancien, ça veut dire. C'est l'équipe qui rusé, c'est dans ça ça veut dire Satan, le serpent ancien. Mais c'est pas un serpent que tu as parlé avec Ève là. C'est pas un serpent que tu as parlé à Ève là. Ça fait le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est parce que le serpent, c'est bête qui est plus rusé. Selon Genèse 3, verset 1 à 3. OK? Donc maintenant qu'on y a là, qui m'a-t-il fait? Laisse Satan paraître sur lui dans verset 1 dans Genèse 3, il dit comme ça. Est-ce que c'est vrai, bon Dieu t'a dit, puis qu'il va nous manger, et il va nous manger, d'être mourir? Et puis qu'on y a là, et comme il était plus rusé, qu'on y a pas séduit Ève, qu'on y a Ève répond, il dit comme ça, oui, et bon Dieu dit, dans Genèse, dans verset 3, il dit, bon Dieu dit, il dit, nous allons manger toute sa planète, mais pour avoir connaissance bien mal là, Satan a mis un jardin, puis qu'on nous touche, je nous touche, je nous mange, on va mourir. Et puis Satan dit, menti, c'est pas vrai. Et parce qu'il connaît, je nous mange, la vie même Javel, la vie intelligente même Javel, la vie même sagesse, c'est gagné. Voilà. Mais quand Ève fait mentir, oui, il dit, Dieu a dit, ouais, il dit comme ça, bon Dieu dit nous. Bon Dieu dit nous, mais quand il fait mentir, parce que bon Dieu pas de parler à Ève. Bon Dieu pas de parler à Ève. C'est là qu'il fait mentir. Ça veut dire, est-ce que, ouais, non seulement il faible, il séduit facilement, là il prêche, là il prêche, convainc Satan, sans bon Dieu pas de vouer, là il fait ça. Et puis qu'on est là, fait mentir en même temps. Là, fait mentir en même temps. Et puis c'est lui qui fait péché dans le monde là. Ève même qui fait ça. Adam même, c'est dans petite tête lui. Jusqu'on est nous, ça, garçon, toujours une petite tête pour fille. On prend. Donc, qu'on y a qui ça vient de passer? Ève séduit et puis péché dans le monde. Là. Qui m'a-t-il fait? Un pile enseignement, fausse prédication qui toujours a dit: bon Dieu t'a dit, Adam et Ève, pas manger, ab de la connaissance du bien et du mal. C'est faux. C'est un faux enseignement. C'est une fausse prédication. Ça n'est pas biblique, pas dans la Bible. Là. Bon Dieu n'a jamais parlé avec Adam et Ève. Et pas Adam et Ève, bon Dieu t'est passé l'autre là. Bon Dieu t'est passé seulement Adam l'autre ça. Selon Genèse 2, verset 16 et 17. Notez bien. Genèse 2, verset 16 et 17. Donc dans Genèse 2, verset 16 et 17, bon Dieu passé, dans verset 16, il passé Adam l'autre là. Et dans verset 17, il dit jour, il mangeait hors connaissance du bien et du mal là, là mourit. Pourtant, Ève, faut qu'on même là. Dans verset 18, bon Dieu qu'on y a là pral relâcher prophétie pour le dire que et il n'est pas bon que l'homme soit seul qui font garçon pas cap vivre dans chambre garçon pourquoi on garçon on fille pas cap vivre dans chambre pourquoi depuis dans l'âge pour marier qui fait prêtre catholique c'est à faire parole à prier parce que selon Genèse 2, 18 il n'est pas bon que l'homme soit seul et dans verset 19 qu'on y a là Adam parle bah tout bête non. Et puis, qu'on y a qui s'est passé? Bon Dieu pral qu'on y a là, Adam pral triste, et puis bon Dieu pral mette dans le profond sommeil. Autrement dit, il mourit. Il reprend souffle, il te met dans là, verset Genèse 2, verset 7, puis où elle tape forme Adam, qui fait le devenir âme vivante ou bien être vivant. Et puis, qu'on y a là, il pral former Ève, il pral prendre compte Adam, dans verset 22, il pral prendre compte Adam, et puis qu'on y a là pour former Ève, et puis pour mener Ève à Adam. Ça veut dire, Ève pat là, le bon Dieu t'a baillé Adam, t'a passé Adam l'autre là. Donc mes amis,
Nous par contre qui bon enseignement ça a sorti, qui bon prédication ça a sorti, le nous tendez et en pile mon abdi, bon Dieu te dit Adam et Ève, il te dit yo piga manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. Donc nous voyons ça clair selon la Bible, ça veut dire enseignement école de Dieu en Jésus-Christ, c'est sur la parole, c'est sur la parole. Donc c'est avec référence biblique, c'est avec verset biblique, c'est avec la parole l'enseignement est fait. Maintenant, mes amis, faut nous très prudents, très 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 prudents. Petit bon Dieu, sorti dans mi-temps, mes amis, et l'église cap dirigée par des pasteurs femmes. Sorti dans mi-temps parce que c'est pour l'enfer. C'est pour l'enfer à travail, c'est pour Satan du diable à travail parce que c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est ça que fait Journée internationale de la femme. Son bagage qui concerne seulement le monde là, il n'est pas entré dans l'église. Puis il a entré dans l'église. Alors, entrer dans l'église protestante. Parce que dans l'église protestante, il est d'accord, il est consacré comme pasteur. Yes, il est consacré comme pasteur, il est ordonné comme pasteur dans l'église protestante. Mais dans l'église Jésus-Christ là, dans la doctrine Jésus-Christ là, il n'est pas biblique. Donc, nous avons un verset clé déjà qui montre nous, donc la Bible, donc un verset clair qui montre la Bible par reconnaître fille comme pasteur. Donc, enseignement pas fait pour fille. Maintenant, on va dire notre bagaille. Bon Dieu tellement pas en a fait à fille dans le ministère, dans la responsabilité, dans le poste d'autorité, dans la position d'autorité. Bon Dieu tellement pas en a fait à sa ou les filles, les petits filles, pas seulement parler de monde, même dans bête, bon Dieu pas en a fait. Même nan bête, bon Dieu, pas en affaire à femelle bête. Selon Genèse, alors dans Genèse 18, verset 21 et 25, nous songeons dans Genèse 18, verset 21 et 25, ça qui t'est passé. Donc, bon père, Jétro, tes conseillers Jétro, ça pour le faire. Pour le prendre des hommes, et pas des femmes, non, des hommes capables pour l'établir sur des groupes de 1150 et 10. C'est comme si, selon capacité mounan, donc selon capacité homme de Dieu, donc la gen l'église qui gen 1000 moun. Selon capacité, la gen l'église la dirige qui gen 100 moun. Selon capacité, tout la gen l'église, y a bal, Moïse a bal l'église qui gen 50 moun. Et selon capacité, la bal l'église qui gen 10 moun. Donc songez ça le dit. Des hommes capables. C'est ça, Jétro beau-père et Moïse te conseillé. Maintenant, bon Dieu, encore, mande qui ça, qui sexe te mande pour mettre à pas pour lui? Dans Exode 13, verset 2 et 12, n'a pas. Non seulement bon Dieu m'a demandé pour lui mettre tout premier né mal, ça veut dire garçon, à pas, et puis il dit même bête, le panafa femelle, c'est mal. Pour nous, Jean Bagala, son bagaille qui drôle, et nous connaissons ça déjà. Jacob, tu as 12 petits garçons, pas vrai? Eh bien, qui s'est passé, Jacob? Il mettait Dinah à l'école, il choisit 12 messieurs qui viennent 12 apôtres de l'agneau. Et puis il mettait Dina à l'écart. Ça veut dire fille pas n'a fait ministère. Fille pas n'a fait position d'autorité. Il choisit 12. C'est 12 petits Jacobio. Et bien qui vini qu'on y a là, 12 apôtres de l'agneau. C'est ça que fait les Jésus lui-même, les bons dieux lui-même qu'on y a là, vini en chair, selon Jean 1, verset 14. Selon Jean 1, verset 14. Et selon 2 Jean 1, verset 7. Hein? Et 1 Timothée 3, verset 16, le bon Dieu qu'on y a vint fait être li chair, li vini en chair, et bien qu'on y a pendant en chair sous terre, et bien toute prophétie pour l'accomplir, et bien qu'on y a là pour choisir 12 apôtres, ça veut dire garçon, pas de bon grain de fil à donne. Jésus-Christ est plein fin de discipline, et qui a pile capacité, mais ce n'est pas capacité pour poste ou bien pour position d'autorité dans le ministère, responsable d'église. Enseigner, prêcher, non. Et paître, etc. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus choisit 12 apôtres. Et même là, Judas vient de mourir, Judas n'a pas encore été 11 apôtres.
Qui s'est passé? Amen. Les Jésus fin monté dans le ciel là. Apôtre Pierre campé dans Actes chapitre 1 verset 22. Alors commencez depuis dans verset 21, le livre dans verset 22 clair, il dit monsieur le 10 apôtre qui était avec lui, ah monsieur, faut que nous joignions un garçon parce que faut prophétie accomplie. Faut que nous joignions un garçon parce que c'était 12 petit Jacob qui était dans prophétie, et bien faut qu'il accomplisse, nous pas qu'à 11. Faut que nous joignions un garçon précis, c'est pas difficile. Faut que nous joignions un garçon qui pour remplacer Judas. Faut que nous joignions un garçon pour nous mettre avec nous pour remplacer Judas. Ça veut dire pour ça pas dire nous besoin fille. C'est qu'on y a là nous ouais, mesdames yo prend journée internationale des droits des femmes en train dans l'église, ça veut dire toute sa garçon fait au café tout. Non, c'est pas dans l'évangile. C'est pas dans l'évangile Christ là. C'est pas dans la saine doctrine. Non. C'est pas dans la sainte doctrine. Ça c'est affaire diable à prêcher, ça fait pas à prêcher. Non, c'est pas dans la sainte doctrine. C'est pas dans la sainte doctrine. Donc apôtre Pierre dit faut que nous jeunions un garçon dans Actes 1 verset 22. Le Jésus fin monté. Faut que nous jeunions un garçon qui pour remplacer Judas. Donc et dans qui ça passe encore? Dans Apocalypse 19 verset 7 encore. Dans Apocalypse 19 verset 7 qui ça dit? Jésus a venu chercher l'église. Il a venu chercher épouse les madame ni et c'est une encore dans raison qui montre fille là encore pas qu'à pasteur, pas qu'à docteur, pas qu'à apôtre, pas qu'à prophète, pas qu'à évangéliste. Raison parce que tout simplement l'église symbolisait l'épouse de Jésus-Christ. Donc sous terre physiquement pendant Jésus fin monté, il pas qu'à prendre fille qui pour représenter physiquement son garçon pour une raison parce que il pas qu'à prendre fille pour le mettre en face madame ni qui c'est l'église. Nous connaît pas ta bien sens parce que bon Dieu c'est bagaille piraï, bon Dieu c'est bagaille piraï lesbianisme et bagaille piraï l'homosexualité. Donc ça t'a fait l'homosexualité, pas vrai? Il t'a fait homosexualité. Nous t'a pris les clés deux femmes mariées, pas vrai? Nous ouais Jésus pas nous connaît bon Dieu pas des hommes, ça pas t'a jamais fait, c'est bagaille bon Dieu piraï. Donc on ne fait pas qu'un pasteur l'église, parce que l'église représentait l'épouse de Jésus-Christ. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, son garçon qui pour en face de l'église là, et garçon ça qui c'est berger, qui c'est pasteur, et bien qu'on y a là, il joue le rôle papa fidèle l'église là. Et l'église elle-même, il joue le rôle maman l'église là. Donc, là, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Prophétie avait dit qui ça? Honore ton père là. Père là, c'est spirituellement, c'est pasteur de l'église, le berger de l'église, le pasteur de l'église. Et ta mère là, c'est qui ça? Mère là, c'est l'église. Yeah! Donc, mes amis, et elle dit comme ça, père, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire, et il dit pasteur yo, spirituellement, puis ganon dit fidèle yo, n'importe qui bagaille. Papa la ven, n'importe, j'ai pas dit aux bêtises, gen mot pour pas soutenir en bouche, pour ne pas dire yo, etc., etc. Donc nous connaissons ça déjà, ça m'a dit. Donc petit bon Dieu, tout le monde capte l'enseignement ça dans le groupe École de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit et sur YouTube. Attention, koto yé dans l'église ça, à pasteur femme ça, qui a dirigé l'église ça, attention, pas battre pour mourir là. Sorti dans le temps, 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. Attention, sorti dans le temps. Sorti dans mitan païen yo, sorti dans mitan ivre yo. Attention. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu garde nous, protège nous, sécurise nous. À la prochaine pour un autre enseignement. Bye bye.